Année de grâce, de prospérité et de renforcement de la démocratie sur le continent. C'est le vœu cher formulé par le président Patrice Talon à l'entame de cette séance de travail avec les parlementaires francophones introduits par le président de l'Assemblée nationale. Les échanges ont porté sur les difficultés liées aux dernières élections législatives. Je voudrais saluer cette initiative de l'APF de dépêcher au Bénin une délégation de si haut niveau pour apprécier par vous-même les difficultés que nous avons eues au Bénin. Ce pays, membre actif, important de la communauté francophone, une mission qui nous rassure quant à la disponibilité des autres pays de la francophonie, de leur attention, de leur écoute et de leur volonté de nous accompagner dans cette période difficile que nous avons traversée et qui, je peux vous le dire d'entame, sont déjà derrière nous. Aujourd'hui, les réformes engagées sur tous les plans portent leurs fruits et traduisent la marche du Bénin vers un lendemain meilleur. En témoignent les performances enregistrées dans la sous-région et sur le continent à la loupe des organismes internationaux. Les parlementaires francophones se réjouissent d'avoir fait leur propre opinion sur la question à travers des échanges sans tabou. L'APF est venue en mission à la faveur des élections législatives. Beaucoup de choses ont été dites par les réseaux sociaux, par la presse africaine, surtout par la presse européenne aussi. Nous avons décidé à l'APF de venir voir, de venir écouter, de constater par nous-mêmes afin de faire notre propre opinion. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le président Talon, qui a été d'une disponibilité légendaire. Rares sont les chefs d'État qui consacrent près de 2 heures d'horloge à une délégation. Il a fait. Et non seulement il a été disponible, mais il n'y a pas eu de questions taboues dans nos débats. Le président a répondu à toutes les questions que nous lui avons posées et avec son cœur, avec sa passion pour le Bénin, avec sa passion pour l'Afrique. Nous avons vu un président qui a une vision pour le Bénin, pour son pays, qui a une vision pour l'Afrique, qui a une vision pour les générations futures. Nous sommes venus pour faire valoir les principes de l'APF. La vocation de l'APF, c'est l'approfondissement de la démocratie, la solidarité, et puis l'accompagnement des États francophones, des assemblées francophones. Le président de la République du Bénin est resté disponible et il a répondu à toutes les questions. Et je voudrais, au nom de la direction, au nom de l'APF, la remercier. Nous avons parlé de l'Afrique, la démocratie naissante en Afrique. Nous avons parlé des hommes, des institutions. La vision du président Patrice Talon est grande pour le Bénin et pour l'Afrique. Et les parlementaires francophones pensent qu'elle devrait faire école.